Hey, salut à tous! On se retrouve enfin is alive! Enfin dans la suite de notre let's play sur notre jeu sur Ukami! J'ai rappelé que la dernière fois, ce jeu, ben on a commencé ce let's play il y a environ 5 ans! 5 ans! C'est ouf! Oui, tout le monde pensait que ce fait était mort, mais non, il est en vie. Il est de retour. Dans un épisode, on a fait du coup, il était en mode de différé, et là, on joue en temps réel. En temps réel, là, c'est moi, là, c'est le jeu, c'est Ukami. Et je voudrais juste faire un truc en premier lieu. Checker mes équipements. Objet de fusain. Objet de vrai, ça c'est pour le. Ouais, ok, je vois, je cache. Ça c'est mes formes. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai pris la forme de chien. C'est vrai. J'avais la forme de chien depuis le même épisode, j'avais la forme de chien. Trop con, moi. Mais ouais, en fait, j'aime beaucoup cette forme. J'aime beaucoup cette forme. Et là, c'est la version loup. La version loup ou la version chien? Non, j'ai fait quasiment tout le jeu, je crois, en mode chien, il me semble. Là, la version gros sac, j'adore cette version-là. D'ailleurs, cet épisode-là, on va faire en version une gros sac. Parce que là, on va juste faire du coup des trucs secondaires. Oh. Ah! Ok. C'est vrai que comme je suis habitué à Kingdom Hearts là, forcément, c'est pas du tout le même gameplay. Sauter, c'est un autre bouton, ok, très bien. Très bien. Parce que le bouton attaquer dans Kingdom Hearts, ça c'est le bouton saut dans Ukami. Et c'est pas du tout là où il fallait que j'aille, que je voulais aller. C'est à l'autre côté. Ouais, je voulais juste aller récupérer les coffres que j'ai loupés dans la partie précédente. Tu vois, comme quoi hein, ce jeu il était inclusif, hein. il est inclusif déjà à l'époque, ils n'ont pas même pensé au gros, tu vois. Au gros chien. Donc là, on va aller voir les coups, les coffres. Il y a des coffres qui étaient enterrés, mais je sais plus trop où exactement, précisément. Mais on va fouiller, c'est tout. D'ailleurs, il y a plus d'un coffre. Là ça va être, ouais, ça va être la, ouais, ça va être elle. Là il y avait des coffres que j'avais loupés. Alors déjà ma fouille ici. Ah c'est vrai que c'est pas le même bouton. Donc là déjà il y a un coffre. Ça va, j'ai pas perdu la main. Assieds-vous là. C'est juste laqué. L'objet obtient unique au monde et a été créé avec une lac légendaire. Alors fouillons voir s'il n'y a pas des coffres enterrés. Là. Ah mais c'est quoi cette caméra? Putain, c'est beau, hein. Ah, le jeu, franchement, c'est qualitatif. Ah, là, ça permet de stepper. Là, c'est des bambous qui sont mangés, il me semble. Et comme j'ai mon estomac un maximum, ça sert à rien. D'ailleurs, est-ce que je peux. J'ai tout au max. Ah, bah, tu vois, les cœurs. J'ai tout au max. Les cœurs. Par contre, est-ce que. Où j'en suis dans. Ah, brume occulte.
Ça, donc ça, c'est mes pouvoirs. Vent glorieux, clair de lune, flot malicieux, liane magique, nénuphar, floraison, bon flamboyant, lame lumière, renaissance, soleil divin. Attendez. J'ai aussi ça aussi. Guide. Ferait donc que des trous, éviter les tombes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah! Le pied de Camille. Sous-cesse. Un enfer sacré. Une marque de Kamigami. Ouais. Alors Kamigami qui signifie genre. Qui signifie peu pupin, je crois, il me semble. En vrai, ça a du sens, hein, ça a du sens. Donne la pétueuse, la lumière, la flamme 2. Ah oui. Ah oui, parce que du coup, je peux couper des trucs plus résistants. Ok, identification, flamme 3. Ah, je suis pas trop bon, même. Pas mal. Ok, ça c'est cool ça. Mais je cherchais pas ça moi, je cherchais quoi moi? Qu'est-ce que je cherchais moi? La marre de Kamigami, l'enfer sacré, la terre des fonds. Allez, ouais, ça. Ah oui! Les murs du temps sont des objets divins, et qui remontent à l'aube du monde. Les murs d'infini. Destiné X, un numéro à l'infini pour utiliser. Bon, le clic active la technique de l'air. Vous pourriez ainsi vous téléporter là où se trouve l'autre miroir. Ah ah! Voilà! C'est ça que. Je savais bien que c'était un truc en lien avec les miroirs. C'est vrai que dans l'épisode d'ailleurs, on voit utiliser le signe des bombes occultes. Sauf que j'avais pas utilisé du coup le bon signe. Non, j'ai pas fait celui-là. Allez, c'est la nuit. Ah, caméra. Merci. Ah bon, tiens, on voit notre un personnage d'ailleurs quelque hein. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu arrives pile à temps pour être témoin de l'histoire en marche. J'ai enfin réalisé la vacuité de la vie dans le collectionneur de savoir. Maintenant, je suis un accro à la pêche. Vu que nous dans ma nouvelle passion. Bah oui. Oui, pourquoi pas? Nous pouvons nous permettre une petite pause. Excellent. Concentrons-nous un peu là-bas. Vous pouvez voir si j'ai pas perdu mon habilité à la pêche. Normalement non, c'est un truc tout simple. Oui. Hop. Je crois que ça mord. Ah ouais, c'est quand même super simple. Hein. Hop là, un petit écrevisse, une petite écrevisse. Vous avez un pêché écrevisse. Eh, hey, tu te débrouilles bien, dis-moi. Attrape plus de poissons et un gros viendra sûrement me mordre. Allez, continue. C'est un gros poisson. Mais je vois quand je vais faire un contraste avec ma patience dans la tente. Pêcher est bien plus amusant que combattre en sabre. Ah, voilà. Ouais, bon, c'est un. Ah! Bon. Vais-je réussir? Vais-je réussir? Ah non. Je vais pas réussir. Quand même! Alors, donc là c'est un point de TP hein, pour ceux qui n'avaient pas attention de là. Ah, c'est vrai. C'est ce bouton là pour sauter. Donc là, ça, c'est un code que j'avais déjà pris. Un parchemin de pétrification. Ah, je vais pas arrêter de me tromper de bouton.
comme ça, le cristal. Oups. Ça c'est quoi? Ça c'est Miss Papronelle. Canne de protection. Voilà. Allez. C'est ça joue voilà. Ah, trop tôt, trop tôt. Bon, on va retourner voir le scénario à la ville de Céane. Non, pas du tout le scénario d'ailleurs, comme j'ai dit, vous avez fait, je vais faire d'abord une quête annexe et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. On va le tester. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je pense que c'est un élément un peu spécial. Alors, on met le soleil. Voilà, donc là, il y a des quêtes annexes. Donc déjà, on va pas aller à celui-là. Ah, je me sens beaucoup mieux. J'ai dit que cette boule et le lugubre étaient partis. Mais je ne pensais pas me retenir si vite. Maintenant, je peux enfin satisfaire mes ambitions. C'est-tu ce que je suis, chien errant? Je m'appelle Masumi. Je suis un guerrier parcourant le pays pour faire mon art martial. Samouraï errant. En fait, je dois juste abattre certains démons. J'ai noté le nom de ces monstres sur une liste spéciale. Je l'appelle la liste noire. Il met tout ce qui les attend. Du fait que j'aurai abattu tous ces monstres, madame, je me pourrai enfin prétendre être un guerrier. Qu'est-ce que j'ai errant? Tu vois ma liste noire? Ah, c'est impossible! Elle contient le nom des monstres les plus vicieux de cette région. Tu n'aurais rien qu'en les regardant. Qu'est-ce que j'ai errant? Tu vois ma liste noire? Je l'ai têtu décidément. Je vous ai déjà dit non. Même si j'ai relâché ma magasin après une nuit trop arrosée, je ne quitterai pas cette liste des yeux en personne ne pourra la lire. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il faut que je sois de nuit. Que j'aille dans un bar à alcool.
Non, là, non, non, ça c'est un écho, ça c'est de la reste. Ouais, c'est pas ici. Ah, mais que. Puis c'est un restaurant, lui. C'est peut-être là. Voilà. Hic, je ne serais jamais un service noir dans hors de ma vue. Parce que j'aurais défait tout à laquelle qui s'y trouve, alors mon voyage prendra fin. Qu'a-t-il, mon cher? Tu veux me laisser noir? Bien sûr, je tiens un coup d'œil, ça ne mange pas de pain. Voilà, donc ça c'est la liste. Donc ça c'est. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, on a des avis de recherche dans ce jeu, et on va devoir muter un monstre spécifique. Et qui apparaît, du coup, qui apparaît que la nuit. Bienvenue à la liste de noir Masumi. Tous les monstres qui s'y trouvent m'attendent le soir qui les attendent. De toute façon, je suis le seul à qui puisse les éliminer. Pas vraiment. C'est pas du monde, je suis bourré, complètement plein. Quelle malchance. La brune a beau avoir disparu, la ville, elle a continué de sombrer à ma vie. Je suis bourré, complètement plein. J'ai pas réussi à économiser pour offrir un cadeau à ma petite Kiku. Mais quelqu'un me l'a dérobé. Sans rester de broche et chrysanthème, je suis fini, complètement fini. Donc quelqu'un lui a volé une broche. J'étais tellement occupé, et plus tout ça dans mon chemin. Bon, l'apprentissage de l'air culinaire n'est pas fini. Je ne voudrais pas la poursuite de mon rêve le plus cher. Même si ça signifie qu'il faut repousser le plus ultime. De tels défis font la vie, font que la vie vaut la peine d'être vécue. Eh mais c'est plus vécu, c'est pas vrai. Attends. Ah non. Très bien. Bon, on va remettre le jeu maintenant. Voilà. Ensuite. Maintenant, c'est en fait. C'est-à-dire, on va en parler. Tout de suite, c'est bon sur le reste. Je vais voir quelques bières au restaurant Yamaneko. Qu'est-ce que tu as, le toutou? Pourquoi tu me regardes ainsi? Tu vois, comme il y a des soucis dans mon regard, hein. Pourquoi donc j'aurais des soucis? Tu veux me promouvoir dans le meilleur du monde? Tout ça, je vais boire quelques bières au restaurant Yamaneko. Bon, on connaît ses soucis. Voilà. Il faut que je passe que. Ah là, voilà. Ah non, tu vois. Il est déjà plein. J'avais déjà fait cette quête. Les quêtes des flammes sur le torque. Et puis je t'allume. Ah, un coffre. Des conjugations, parchemin d'incarnation et stacké pour purifier moyennement les ennemis. Là, c'est une quête, je vais d'abord faire la quête des torches. Ouais, parce que allez, je vais faire celle-ci. Alors, écoutez, là, mon mignon toutou, on se promène, cette horrible rune a complètement disparu désormais. Nous nous sentons tous mieux physiquement et mentalement. Je peux enfin prendre une grande visite à la nourrie. C'est pourtant que j'aurais dû la faire, mais je me demande ce que peut bien se passer avec le ferry. Je me fatigue vite en marchant, alors je pensais le prendre sur ce canal. Mais le ferry, ce n'est toujours pas arrivé. Bien qu'il soit déjà à l'heure, je devais peut-être trouver un autre moyen pour m'y rendre. Regarde, petit chien. Les vieux sont désossés. Cela ne fera pas faire un plateau. S'il vous plaît, monsieur le nénuphar, emmenez-moi vers chez la mûrie. Là, elle va me donner le chemin avec sa main. Du coup, forcément, avec le vent. Hop là. On va pouvoir l'emmener. Oh.
Putain. Ah, on a fusionné. Le temps il passe même quand le... Même quand on est dans le menu. Attendez. C'est très tranquille, un peu trop peut-être. Mais vous avez fait de votre mieux, monsieur. Mais attendez, j'ai fait un mille ça. Vous avez trouvé, vous avez fait tomber monsieur Nifar. Quand même. J'ai dépensé tous mes. Bon, en gros, voilà les catanas qu'il fallait faire. Et faire pareil du coup avec l'Octugus. C'est que de la volonté. Bon, je vais attendre d'avoir mon oncle au maximum. Alors, avec l'eau qui coule de nouveau de la brume, et la, tout est revenu normal. Cette maladie est vraiment étrange, ça nous a mis hors d'état d'agir. Non, je vais tenter de recoller les morceaux avec le patron. Je ne peux plus perdre moins d'un minute. Je dois naviguer sur le canal pour aller à la maison du patron. Et si certaines féries ne me semblent pas vouloir se prendre, il me faut un miracle pour arriver au petit patron maintenant. Il doit temps pourtant y avoir un bateau quelque part. Je dois naviguer sur le canal, ça n'a rien. C'est bon? Alors. Même principe. Voilà. C'est miracle. Comme si cette feuille n'est venue pas et avait entendu mes prières. Je peux me rendre maintenant à la maison du bon patron. Il est plus que temps de débuter mon apprentissage. Je n'ai rien ni voile. Mais le vent et mon enthousiasme devraient suffire à m'y emmener. Voilà! Il n'a pas à croire que j'ai pu arriver aussi vite. C'est miracle! C'est grâce à mon dénouement envers le patron. Je suis tout à l'idée de le voir apprécier autant. Plus 30! Là, j'ai réussi à faire aller assez rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, et elle aussi, même délire. Le bouillard semble avoir complètement disparu maintenant, et l'eau est subitement revenue dans le canal. Cela doit être à l'œuvre de Camille. Il faut juste que le ferry reprenne ses allers-retours pour nous. Tu sais, nous dépendons de ce ferry, mais il ne marche toujours pas. Je vais aller à la rue de l'Est, mais je ne vois pas comment. J'ai juste trouvé quelque chose qui flotte, quoi que ce soit. J'ai atteint de récupérer tous mes pots d'encre. Et je suis à toi. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ferait lentement l'affaire.
Il est temps que de devenir donc direction la lune, la rue de l'Est. Toujours là, ok, parfait. Droit. Voilà. C'est fantastique le voyage, c'est si rapide. En plus, c'est gratuit, contrairement au ferry. C'est la solution idéale. Parfait. Et voilà ça. Ah, voilà. Hop, en plus. Attends. Alors. Voilà. Bah. Allez. Je ne reviens pas. Cette zone maudite était immense, mais maintenant elle a disparu. Je parie que c'est grâce à mon dur labeur de garde dévoué. Les dieux ont dû avoir pitié de ma solitude. Je dois profiter de ce moment de chance. C'est le moment de s'incliner une fois pour toutes. Ayazo. Il a commencé ses mauvais coups à peine à bout envolé. Maintenant, il est au père de nuit. Et quand c'est un moment total par ici, il est impossible de détecter la logique. Vous aurez donc que nous accueillerons un peu plus la nuit. Vous allez juste attendre que les lampadaires soient allumés. Et oui, alors, à moins que j'ai mal fait. Non. Et là? Voilà. Alors? Bon, j'ai un peu bout des arbres en même temps, au passage. Mais c'est bon, ça va. Voilà.
Oh. Est-ce qu'il y a d'autres lampadaires éteints? Voilà la question. Ah, purée, mais bon. Ah ouais, c'est ça que je parlais, qu'on lisait un petit dégoût. Regarde, je repars, les gamins m'ont aussi mes prières. Les lampadaires se sont soudainement allumés avec la grande flamme. Rien de être un signe déçu. Et Dieu veut bien d'attraper ce voleur Hayazo. Jusqu'à présent, il a pu s'en sortir en agissant dans l'obscurité. Mais il ne peut plus se cacher à présent, avec toutes ces lumières. Il doit s'être réfugié quelque part aux alentours. Je n'ai plus qu'à me mettre à l'affût jusqu'à ce qu'il montre son visage. Hihihi, tu m'as déniché. Pas mal, là, l'ami. Pas mal du tout. Et je me présenter. Mon nom est Hayazo. Mais c'est des voleurs. Dès mon plus jeune âge, j'ai été destiné à faire des poches du budget. On dit que même que j'ai fait les poches de la sage-femme à ma naissance. J'ai envie de te rencontrer. Hayazo, le maître des voleurs. Maître des voleurs? Ouais, mais je sais faire d'autres trucs que fouiller les poches, l'ami. Je peux aussi cavaler vite, plus vite qu'un clé nous-mêmes. Hein? Tout en pouvoir nous battre à la course, et peut-être un as du vol, et une boule de poil ici présent est une vraie flèche. Et puis à part de qui lui fait face, le maître de fougueuse regrette la victoire. Finalement, en face des voleurs, un gars dans ton genre. Et, alors tu crois pouvoir me battre, c'est ça? Sache que personne n'est au niveau de mon numéro de motivation. Personne n'a été et personne ne sera là. Tu te prends à moi, tu vas me mordre à poussière, ami. Tu veux vraiment me défier? Alors? Eh, tu es que, Hayazo. Aman n'a jamais échappé, c'est quoi? Vas-y, essaye un peu. Tu n'es pas de taille à réaliser avec le maître des voleurs. De 1 et de 2 dans mon ordre. Je les vise et disparaît dans un nuage de poussière. Là, c'est pu voir. Mince. Mince. Il m'est échappé, il m'est échappé. Mais c'est pas assez vite. En même temps, tu m'as. Attends, je recommence. Du coup, j'avais réussi à mon coup, bête. Hein, c'est où le. J'ai bien réussi mon coup finalement. J'aime bien acheter à tout. Bon, en gros, t'as un ordre. Putain, je suis goué de. Il y a un ordre précis en fait pour de tuer des pouvoirs spécifiquement à un certain moment de à un certain moment en fait. Attends. Ah
Là c'est coupé, donc ça c'est en premier, et là ça va être l'eau en deuxième. Voilà. Zut. Alors ça, hop, je vais remettre le joueur pour ça. Et je vais donner ça à Zugus là-bas. Hein? Oh mais c'est toi, le chien, qui es donc là? Ça ne peut pas être ma précieuse montre en verre. J'ai vendu la montre en verre. Comment dire, tu fais ça pour la reprendre à Yasuo? Tu es vraiment un faiseur de miracle. Et voilà. Donc là, on va devoir passer à mode prof, quoi, je crois, il me semble. Non, non. Ah. Hey. J'ai besoin de toi jusqu'à présent, c'est ça? T'as réussi t'as encore rien vu. Rien à faire contre mon tour de motivation. Et d'un des deux dans mon ordre. Je me dévise et j'apparais dans un nuage de poussière. Là, il y en a trois, mon feu. Eau. Coupé. De m'en faire ça. Alors ça, c'est quoi déjà ça? Ah oui. Je crois que c'est une gamine qui voulait ça, il me semble. C'est elle qui voulait ça? Zenel, le Kibi et Dango. Eh, mais c'est non des Kibi et Dango? Où le Zenel a trouvé? Merci de me les apporter alors que tu aurais pu les manger. J'ai besoin d'être un héros, mais putain, un démon de Mignoni. Lui avec moi, c'est pas grave, c'est que tu sois juste un chien. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on commence la manœuvre. Alors là... Hihihi, content de voir de votre présence, ça, t'as encore rien vu, etc. Donc là, ça va être feu. Eau. Feu, eau, coupé. Feu. Feu, eau, coupé. Feu. Feu, eau, coupé, feu. Feu, eau. Feu haut, coupé feu.
Feu, feu, oh, coupez feu. Feu, oh. Ah non! Non! Oh non! Chier. Ah ah, juste à temps. Ça va, c'est facile, la prochaine fois. Alors ça, c'est plus... je sais plus du tout ce que c'est ça. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah mince, je sais plus du tout ce que c'est ça. À qui je dois donner? J'en ai où là? Ah non, ça, ah non, c'est un masque qu'il faut lui. Lui, c'est un masque. Je vais aller voir, mais je pense que c'est un masque qu'il faut. Hein? On est là-dessous? Quoi? Comment dire, connais-tu le nom de Nema? Et ce type d'homme, et c'est-à-dire, c'est aussi avec toi? Le capitaine Ushiwaka avait bien dit que vous étiez inséparables. Oui, c'est... Qui t'appelle petit? Attends une seconde, tu as dit le capitaine Ushiwaka? C'est un monsieur de capitaine? Nous sommes de ses ordres et il fait son rapport à la reine Himiko. C'est un des troupes spéciales d'investigation des maîtres Tao. Mais tu peux nous appeler les soldats Tao tout court. No, les sautes à eau, ok, cette histoire ne m'appelle pas trop. C'est notre récréation générale. Le capitaine Ushiwaka est absent, il est parti en mission spéciale. Il m'a parlé de vous deux juste avant de partir. Il a dit que vous pouvez visiter la cathédrale générale si vous voulez. Je savais que ce prophète est en bas d'étage, il m'a jeté quelque chose. Je savais que nous viendrons. Je parie que cet endroit est un assez piège. Garde bien les yeux ouverts, ah bah. Alors, il me semble que c'est un masque qu'il lui faut, le gars. Est-ce que c'est un bon chef? Écoutez-moi, j'ai toujours été fasciné par la guerre de Ushiwaka. Pourquoi je me suis entraîné à une chaîne dure pour devenir un soldat Tao? Du coup, lui il a pillé son masque. J'aime bien ce propos de Pakoti, c'est ça qui est terrible. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le plus terrible, c'est d'arriver après que je sois engagé. J'étais un soldat Tao depuis quelques jours, seulement lorsque j'ai exposé mon masque Tao, voilà, j'étais un soldat, ça me suis un masque Tao. Il y a un truc que le petit portait sur ses yeux. C'est vraiment assez important que ça. Un peu, c'est important. Une équité va m'écrocher vif si je le trouve pas. Je vais rater de avoir des tendances bizarres. J'ai détenté de pouvoir parler avec moi. Ouais. En gros, il a bien son masque Tao. Mais c'était pas à toi ça. Mince. Je voulais qu'il arrange pas mes affaires. À toi, non, à toi, non, à toi, non. C'est bête à toi ça. Ah, je sais plus du tout à qui ça appartient ça.
Ah, c'est pas tout ça. Voilà, c'est à lui. Voilà. J'ai pas un chrysanthème. Voilà. Hein? On n'est pas le chrysanthème. Je me suis donné pour elle. On me l'avait volé. Je ne pensais plus jamais la revoir. Je ne sais pas trop pas comment tu l'as trouvé. Du tout. Mais sache que tu viens de nous faire un héros. Merci beaucoup. Parfait. Eh bien, je suppose qu'il est temps. Temps de dire à Kiku, temps de lui dire je t'aime. Parfait. L'attaque choc, t'as intérêt à d'abord apprendre avant de me défier. Ah ah! J'ai besoin d'une attaque choc. Ok, ok. Et pour ce faire. Bah, du coup, on va s'arrêter là et on va faire la suite de la quête. Bah, du coup, la prochaine fois, peut-être. Je vais juste tester un truc. Voir si avec lui on peut le faire. Non. Bref, je vous remercie de cet épisode et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre let's play sur Okami. Allez, bye tout le monde.